très loin du maintenant, il y avait ce terrible royaume dont j'étais prisonnière. Je me souviendrai toujours de ce garçon qui m'a libérée. Les légendes parlent d'un héros qui se serait transformé en papillon pour retrouver sa bien-aimée. Laissez-moi vous raconter une vérité plus belle que les mensonges. Kim était un garçon bizarre. Il aimait le rock, la poésie et les pâtes à la sauce tomate. Kim et Swan étaient amoureux, mais Kim ne disait jamais les mots que Swan voulait entendre. Elle avait peur que Kim ne l'aime pas. Chaque jour, elle mangeait des pommes en pleurant. Un jour, Swan partit en vacances, très loin, dans la ville de Fukushima. Malgré la distance, il pouvait s'appeler. Maman, coucou. Swan, qu'est-ce qu'il y a? T'as une peluche. Merci, monsieur le détective. Je suis au courant. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, une plaque d'égout que quelqu'un avait oublié de refermer. Comme une conne, je suis tombée dedans et paf. Tu t'es pas fait trop mal? Non, non, ça va. Mais j'ai vu quelque chose de terrible dans l'obscurité. T'as vu quoi? Je me souviens plus, c'est flou. Y a des raisons de s'inquiéter. Hé, Kim! Ça change rien que je sois une peluche, hein? Mais non. Tu sais très bien. Humaine ou peluche, t'es toujours la Swan que j'adore. Merci. Je suis désolée de toujours m'apitoyer sur mon sort. T'inquiète pas, je suis pareil. C'est juste que depuis quelques mois, j'ai l'impression que j'ai plus la force. Je doute de tout et de rien. Ça me saoule grave. Comme quoi? Non, c'est idiot. Dis-moi. C'est juste que tu m'as jamais dit... Dis quoi? Je t'ai jamais dit quoi? Mais tu sais bien quoi? C'est foutu mot. Et forcément, je me pose des questions. Tu sais très bien. Faut pas avoir peur. Je suis pas... Je sais même pas comment l'exprimer. Tu sais que t'es dans mon cœur. Oui, je sais. C'est pour ça que je me sens idiote. Je suis peut-être un peu trop fleur bleue. Kim tentait de rassurer Swan en l'aidant à dompter ses doutes, tout en cachant les siens. L'amour est étrange, n'est-ce pas? T'es vraiment craquant avec ce rouge à lèvres. Après 2 semaines séparées de Kim, Swan voulait se faire belle pour leur retrouvaille. Elle mit du rouge à lèvres et prépara un merveilleux cadeau. Ferme les yeux. Pas comme ça, idiot. Tu peux les ouvrir. Waouh. Tu l'as trouvé où? Dans une ruelle de Fukushima. Il est un peu cabossé, mais il est beau. Comme nous. Elle aurait voulu que Kim remarque son rouge à lèvres. Elle aurait voulu que Kim lui fasse un câlin pour la remercier de ce cadeau. Elle aurait voulu entendre les mots. Mais rien. Rien. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vends des billets pour le spectacle du 13e étage. L'argent servira à sauver les corqueurs. Les quoi? Les corqueurs, ce sont des petites créatures déformées. Regardez, il n'est pas mignon. Vous pouvez le caresser si vous voulez. Ils sont fragiles car ils aspirent à la tristesse des âmes. Avec les sous du spectacle, je pourrais créer un refuge pour Corker. J'ai vraiment pas d'argent et je suis avec ma copine. Ah mais c'est super, vous pouvez venir avec votre copine alors. Elle a pas d'argent non plus. On est un peu fauchés, c'est... Plutôt vous réservez, meilleur sera l'offre car... Si vous prenez tout de suite, les billets vont vous coûter que 2,50€. Et là, si vous les prenez ce soir, les billets vont vous coûter 10€.
Je peux pas en prendre du tout, tout court. J'espère quand même que vous allez venir. Alors bonne chance avec votre copine. Ouais. Bonne chance avec vos corqueurs. Salut. J'ai faim. Pâte à la sauce tomate ? Pâte à la sauce tomate. La reine Asticot se rapprochait de seconde en seconde. Le corps de Swann était rongé de l'intérieur, mais elle l'ignorait. Ce n'est qu'une allergie, déclara le médecin. Rien de quoi s'inquiéter, se disait-elle. Personne n'avait fait attention aux pommes. Et ce qui devait arriver, arriva. Swann ! Swann, qu'est-ce qui se passe ? Ça va ? Swann ! Qui ? Ça va aller, ça va ? Ça brûle ! Swann ! Non ! Qui ? Swann, qu'est-ce qui se passe ? Swann ! Ça va aller, ça va ? Swann ! Regarde-moi ! Regarde-moi, Swann ! Regarde-moi, ça va aller ! Ça va aller ! Swann ! Bonjour. Excusez-moi. Est-ce qu'elle est occupée? C'est ma copine, elle s'est évanouie, puis tout a changé, je comprends plus rien. Je sais pas où je suis, monsieur, aidez-moi, je vous en supplie. Vas-y, laisse-moi tranquille. Monsieur, elle a besoin de moi. Je pourrais pas y arriver tout seul.
Il y avait dans la voix de Kim une émotion suffisante pour convaincre l'homme de sortir de son cocon et aider ce garçon en détresse. Vite ! Allez, cours, je suis derrière toi, petit. Swan ! Swan ! Elle était là, on allait manger, je l'ai laissée toute seule et... Elle est tombée dans les pommes. C'est plus que ça. Ces pommes sont irradiées et ta copine en a trop mangé. Désolé. J'ai traversé des océans noirs et des mers écarlates. J'ai bravé des tempêtes impitoyables et des vagues meurtrières. Mes amis et ma famille, ils ont tous péri, emportés par les splendeurs de notre planète. Je crois bien qu'on essaie de fuir la mort. Mais elle finit toujours par nous rattraper, n'est-ce pas? Swan est forte. Elle se laissera pas emporter comme ça. Rien ne peut nous séparer. Que ce soit la neige brûlante, les pluies sans eau ou les flammes gelées. Je reviendrai toujours à la retrouver. T'es un brave homme, tu sais. Non. Romantique. Arrête de faire l'idiot, s'il te plaît. Je veux pas te laisser aller là-bas tout seul. C'est dangereux. Quoi? Tu crois que je suis pas habitué au danger? Je suis un trans qui s'assume dans le 9-3! Ok. Je vais te donner un coup. Je prends l'étage 66, tu prends l'étage 80, ok? Mais promets-moi une chose. Quoi? Même si tu te perds, ne te perds pas. Suis ton cœur. L'espoir de Kim se mêlait à sa douleur. Et s'était convaincu qu'il allait la retrouver. C'est alors que nos chemins se sont croisés. Un rossignol vint sur ma main. Il me dit trois mots en latin. Que les hommes ne valent rien. Gentil coquelicot m'étonne. Madame, j'ai l'air si vieille que ça? Tu pourrais dire mademoiselle. Quoique, non, je n'aime pas ce mec qui me possède. Appelle-moi demoiselle. Demoiselle, est-ce que vous auriez vu une jeune fille avec une veste rouge passer dans le coin? Oh, tu dois être Kim. Je suis désolée. J'en ai marre qu'on me dise ça! Où est-ce qu'elle est? Elle? Il n'y a plus d'elle! Il n'y a même plus d'être. La reine l'a emportée. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais, parfois les vivants se brisent. On tente de les réparer avec des bouts de scotch, des agrafes, mais ça ne suffit pas. La reine Astico a toujours ce qu'elle désire. Toujours. Je m'en fous de tout ça! Où est Swan? Où vont les choses qui ne fonctionnent plus? Dans le royaume des déchets? Je connais un moyen de la rejoindre. La voilà. Connais-tu le pouvoir des pommes irradiées? Il en existe de toutes sortes. Des pommes pour ne plus être triste, des pommes pour ne plus avoir de bébé. Mais si nous en mangeons beaucoup, toi et moi, nous serons libérés de cette réalité trop réelle. Viens avec moi dans le royaume du rien. Non, je veux pas. Elle est forte parce que tu ne la voyais pas. Trop focalisée sur ta douleur pour voir celle qui rongeait le cœur de ta petite amie. Tout agonisé en elle, son âme, son corps, et tu n'as rien vu. Kim, le romantique, incapable de dire les mots qu'elle a toujours voulu entendre. Pathétique. T'as peur de moi? T'as peur de moi? Je sais où elle est. Faut qu'on aille au sous-sol dans le local à poubelle. Allez, Swan! Swan!
Dis-moi. Hein? Quoi? Tu crois en l'après? Non. Pour moi, il n'y a que le maintenant qui existe. Kim! Swan? Les mots... Non, reste avec moi! C'est quoi ce truc? Des plastiques, vite, faut vite qu'on se barre! Je retiens! Quoi? Moi! Qu'est-ce que tu fais? Non! Non! Observe-toi! Je connais même pas ton nom. Je te l'ai pas demandé. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Très cher Réré, je n'en perds pas une miette. On va faire le buzz. Et what? Oh là là. Diantre, ne trouvez-vous pas ce spécimen absolument pitoyable? Je te jure, on dirait une grosse lesbo. Un PTDR, cette gonzesse, elle est tellement down. Nislink, poup, poup, poup. Hé! Qu'est-ce que vous faites? Oh, ça perd les popettes. On se croirait dans une foire ici. Hé, excuse-moi, tu prends combien? Non, mais je déconne. Sérieux, mec, pourquoi tu t'habilles comme ça? Parce que c'est ce que je suis. Eh, mais je veux dire, c'est pas normal. Mec, sérieux, on dirait une pute. Hé, Gogo, SRX, si tu veux win un taf et tout, faut que t'adaptes ton style. Parce que ton swag, là, c'est de la daube. Ça m'intéresse pas d'être comme ça. Hey, les gars, vous avez pas envie de le frapper? Fais-toi plaisir. Mmh. Prudu. Hey, défonce-la. Pédale. Réré, qu'est-ce que tu regardes comme ça? Hein? Sale pute. La mort. Même un démon comme moi peut faire preuve de compassion. Démon? C'est ce que je suis devenue à force de rester ici. Continue d'errer entre ces murs et tu risques le même sort. Écoute. C'est pas trop tard, on peut encore s'en sortir. Je peux au combat de la Renastico.
Et quoi? Tu vas que demander pour qu'elle te la rende? Oui! Trouve la porte avec le gardien souriant. Il te mènera à l'arène Astico. Je sais, mais il me reste 3 billets que je n'ai pas encore vendus. Tiens, c'est cadeau. Et c'est le 13e étage, appartement 916. L'appartement 916 était un lieu magique où pouvaient être apaisées les âmes tourmentées. Jabari et moi-même étions prisonniers depuis plus de 100 ans. Très bon choix d'invité, monsieur Kim. Il dort ici depuis longtemps. Pourquoi m'avoir donné ce billet? Car vous avez affronté la reine Astico. Rares les personnes qui en ont le courage. Installez-vous, le spectacle va bientôt commencer. Thank you.
Très loin du maintenant, l'éphémère papillon de Fukushima s'éloignait vers les étoiles phosphorescentes. Il emporta dans ses battements d'ailes les souffrances de nos cœurs blessés. Beaucoup de gens pensent qu'on ne retrouvera jamais les personnes qui nous ont quittés, que la mort est un mur qu'on ne peut franchir. Je ne suis pas d'accord. Pour retrouver nos disparus, il existe bien des chemins. Certains sont lumineux, d'autres sombres. Mais lorsqu'on arrive au bout, je suis persuadée qu'il y aura un sourire.